بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Là, j'entends pas, en tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez, si vous avez des questions pendant le cours, mais en tout cas, faites-les par écrit, parce que là, j'entendrai pas au niveau du casque. Non. N'hésitez surtout pas. Donc, alhamdulillah, toujours on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'être dans ce genre d'assises virtuelles où on avance petit à petit dans l'apprentissage du ilm. Bon, comme d'habitude, hein, moi, je fais toujours une petite intro de 10 minutes grand max, histoire de se remettre dans le bain, de renouveler l'intention, etc., de se remotiver. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que nous, on parle beaucoup, on est, alhamdoulilah, on aime notre religion, on veut apprendre notre religion, on a beaucoup de choses à se dire. Quand on est entre frères, des fois, on peut se poser et parler pendant des heures de dîn, de différents sujets. On passe d'un sujet à un autre, il n'y a aucun problème. Et on apprend des uns des autres. Et alhamdoulilah, rabbil alamin, on remercie Allah pour le bienfait de l'islam. On est amis pour Allah subhanahu wa ta'ala, on est des frères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le frère Adam qui est ici, oh là là, ça fait longtemps qu'on se connaît depuis, enfin longtemps, oui. On s'est connus depuis, j'étais imam à la mosquée de Nemours dans le 77, c'était depuis 2007. Donc 2007, 2017, ça fait 10 ans, plus 3, ça fait 15 ans maintenant. Je connais le frère Adam, Abou Mouaz un peu moins, mais alhamdoulilah, les années passent. Et alhamdoulilah, on espère que ce soit des amitiés qui soient pour Allah subhanahu wa ta'ala. On s'est connu en Allah azza wa jal et on se sépare pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'essentiel. Mais quand on fait le bilan de ces 15 ans, pour parler du frère Adam, on se dit que si par exemple on avait été constant et que depuis tout ce temps-là, on avait appris un petit peu de Coran, un petit peu d'arabe, un petit peu de ilm, comme ça constamment, ben, disons, dans l'hypothèse où tu aurais été mon élève, enfin, mon élève, on est des amis, d'accord? Moi, j'aime pas, on n'est pas, on a, on va dire, la même génération, donc moi, j'aime pas cette notion de, voilà, je suis mal à l'aise avec ça, mais je veux dire, voilà, moi, j'aurais pu t'apprendre quelque chose, et depuis toutes ces années, en fait, on aurait pu s'apprendre des choses. Moi, je dis ça parce que, en fait, voilà, juste pour vous dire que moi, ça fait depuis 2004 que j'ai mémorisé le Coran, mais concrètement, je le dis et j'en suis pas fier, mais il n'y a aucun Hafiz Coran que j'ai sorti. Aucune personne qui peut dire j'ai appris le Coran avec Abou Muslim et voilà. Et donc ça, c'est un problème. C'est un problème et c'est le problème, il vient de moi. D'accord. C'est sûr. Et puis, il vient un peu des autres, c'est vrai, parce que les gens ils me sollicitent pas non plus. Hein. Ils savent que je connais le Coran, que je connais l'arabe. Les gens ne te sollicitent pas non plus. Bon. Mais d'un côté aussi, peut-être que la faute, elle est venue. Tout ce que je voulais dire, c'est que, bi'iznillah, maintenant, on est en 2022. Bref, maintenant, bi'iznillah, dites-vous bien qu'inch'Allah, qu'on parte sur du long terme. Parce que les années, elles passent vite. On va fermer les yeux, on va se réveiller, on va être en 2030. Et on va encore regarder derrière qu'est-ce qu'on a fait. Donc là, en 2022, si on commence et qu'on est constant, Inch'Allah, en 2030, bi'iznillah, on aura parcouru un bout de chemin pour ceux qui s'accrochent, avec moi en tout cas, ou bien avec d'autres, hein, pas de souci, mais qu'on s'accroche, d'accord? Que chacun d'entre nous s'accroche à évoluer dans son dîn de la bonne manière. Pas seulement les connaissances, c'est une chose, on se répète, hein, moi je vais répéter les choses. Les connaissances, c'est comme un habit, quoi, tu vois. C'est quelque chose en plus, mais qu'on évolue aussi dans notre spiritualité. Les deux vont en même temps, d'accord. Maintenant, on est dans le Tajwid, le Coran, c'est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Tajwid, ben, d'apprendre à lire le Coran correctement. Et ça fait même partie des obligations. Comme on a dit dans le cours précédent, on a sauté et on a pris le chapitre
où l'imam Ibn Jazari dit que apprendre, réciter le Coran correctement, c'est une obligation. Là, on n'est pas dans mes polémiques et dans mes discussions de polémiques que j'aime bien. Là, on est dans l'obligation. D'accord? On est dans l'obligation. Donc, chacun d'entre nous, là, essaye de suivre ses cours s'il veut, sérieusement, de façon à ce que dorénavant, là, maintenant le tajwid, on maîtrise. On va étudier, inshallah, makharij al-huruf, les points d'articulation des lettres. Ça, c'est un petit peu technique. C'est-à-dire, il faut connaître exactement chaque lettre où elle se prononce. Donc, il faut suivre et être assidu et bien apprendre. D'accord? Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Et mon débat d'hier avec avec l'élève d'un grand shir, on va dire, ouais, on peut dire ça, un shir très suivi ici en Égypte, qui a voulu discuter avec moi, parler avec moi par rapport au sujet de l'Aqida. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'il était respectueux. Pour l'instant, hein, il était respectueux. Plutôt respectueux, mais en réécoutant, je dis qu'il a vraiment voulu, il a voulu m'impressionner, quoi, et tu vois, me déstabiliser, etc. Bon, on reviendra là-dessus, on dira ça, inch'Allah ta'ala. Mais bon, ça s'est plutôt bien placé, plutôt bien placé. Mais moi, en réécoutant le débat, je me rends compte d'une chose, c'est que des fois, on a l'impression qu'on maîtrise bien un sujet. Mais en fait, on n'est pas assez précis. Comme je vous le dis souvent, quand on apprend quelque chose, il faut apprendre précisément et par cœur. Parce que quand tu es dans un débat, tu peux pas prendre ton téléphone, regarder, prendre un livre, regarder. Non. Là, la personne, elle te parle, ça doit être du tac au tac, tu dois lui répondre. C'est là, 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 là. Et si tous les jours, tu mémorises quelque chose bien comme il faut, bien précisément avec une source, eh bien, Biiznillah, ben tu vas atteindre l'objectif d'être convaincant. C'est Allah qui guide, mais l'ilm, c'est une cause. Quand tu as l'ilm, c'est une cause pour que les gens disent, ah, c'est vrai, là, il a cité la source, etc. Et Biiznillah, pour être convaincant, pour pouvoir, entre guillemets, guider les gens. C'est pareil dans toutes les sciences qu'on apprend, qu'on soit rigoureux et qu'on apprenne les choses précisément. Et encore une fois, je répète que la rigueur, c'est ça qui nous permet de réussir fi dunya wal akhirah. Aujourd'hui, on est dans des problèmes qui sont relativement graves par rapport à la situation mondiale, la maladie du 19, etc. C'est grave quand même ce qui se passe, il faut le dire. Mais la seule solution, eux, pourquoi ils arrivent à nous dominer comme ça? Et à nous faire cette nouvelle dictature sanitaire, c'est parce qu'ils ont la rigueur. C'est-à-dire, dans leurs mensonges et dans leurs faux et dans leurs tromperies, ils sont sérieux. Et si on ne fait pas attention, on ne pourra rien faire. Rien du tout. Donc nous, on est rigoureux avec Allah Azzawajal dans notre adoration et rigoureux dans Dunya. Et bi'iznillah, ensuite, Allah Azzawajal, il fait le reste. OK, les frères? Allez. On commence. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc ce poème-là, c'est notre héritage islamique. Tout le monde, je vous souhaite tous de mémoriser ce poème-là. Je rappelle que l'auteur, c'est Ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala, qui était, je suis désolé de le rappeler, un grand soufi, d'accord? Il faut le dire. Donc, ceux qui disent que les soufis sont des égarés, bah, qu'ils n'étudient pas ce livre-là et puis qu'ils ne prennent pas sa chaîne de transmission dans le Coran. Et dans ce cas-là, ils ne pourront pas avoir de chaîne de transmission du Coran. Donc, ça, c'est juste une parenthèse. C'est notre héritage qu'on se doit de connaître. C'est-à-dire que nous, quand on apprend quelque chose, on doit l'apprendre de la manière des prédécesseurs. Et avec les ouvrages des prédécesseurs. C'est pas chacun ramène son ouvrage, chacun te fait son petit truc, chapitre numéro 1, chapitre numéro 2. Non, on se base sur nos ouvrages de référence et on les transmet, etc. OK, les frères? Donc, on a expliqué déjà, on a fini la muqaddima, ça on l'avait fini. Le deuxième cours,
on avait sauté et on avait pris le chapitre qui parle de l'importance du tajwid. Maintenant, on revient et on va voir le chapitre de Makharij al-Huruf. D'accord? Donc, ce qu'on va lire là, normalement, chacun doit le mémoriser. Normalement, chacun doit le mémoriser et le comprendre. Et c'est aussi une manière qui peut vous aider à apprendre l'arabe. Allez, c'est parti. Donc, ici, il dit Babu Makharij al-Huruf. مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء جريك دو كامرون نو او جريك دو تشاد ما شاء الله مرحبا هو تو فويك سا مارش زوم C'est simple, un zoom, inshallah. Naam. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'aynun ha'u adnahu ghaynun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfalu wal wastu fajimu shinu ya wal dadu min hafatihi idh waliya lad drasa min aysara aw yumnaha wal lamu adnaha limuntahaha والنون من طرفه تحت اجعل والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنه مخرجها الخيشوم voilà donc ici donc évidemment les makharij il faut connaître chaque terme et chaque définition comme d'habitude chaque terme qu'on apprend c'est toujours la même chose on apprend linguistiquement le terme qu'est-ce qu'il veut dire et istilahan dans le jargon du tajwid. Naam. Ici, donc, pareil, je fais exprès de ne pas prendre le charh pour pas que ce soit trop fastidieux, mais je vous invite, vous, à être équipés. Je pense que tout le monde peut avoir accès aux cours en eux-mêmes, voir les définitions, etc. À vous de prendre ces textes-là et de les apprendre, de les mémoriser. Inch'Allah ta'ala, on va faire en sorte de faire un suivi de façon à être sûr que chacun avance et assimile les cours au fur et à mesure, Inch'Allah ta'ala. Et je voudrais faire aussi une remarque sur la rigueur. Vous voyez ce chapitre qu'on va étudier, on voit la rigueur des prédécesseurs qui n'avaient pas de dictaphone, qui n'avaient pas de vidéo, qui n'avaient pas de choses pour enregistrer les sons. On n'a pas un enregistrement du prophète alayhi salatu wasalam, ni un enregistrement de Ibn Mas'ud, subhanallah, mais ils nous ont mis par écrit, ils ont réussi à décrire les prononciations de chaque lettre. Est-ce que vous imaginez un peu cet effort-là? Subhanallah. Et voilà. Donc ici, on nous dit « Makharij al-hurufi sab'ata ashar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar » Donc ici, il nous dit que les points d'articulation des lettres, les points d'articulation des lettres sont au nombre de 17. Les lettres en langue arabe ont 17 points d'articulation. « Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar » Ici, il dit « celui qui choisit la vie » comme quoi il y a 17 lettres, 17 points d'articulation dans la langue arabe, eh bien, c'est lui qui a le bon avis. Manirtabar, ça veut dire celui qui est expert. Celui qui est expert, il sait que c'est ça le vrai avis, parce qu'il y a beaucoup d'avis. Il y a beaucoup d'avis. Tu en as même qui te disent qu'il y a 29 points d'articulation. Il y a autant de points d'articulation qu'il y a de lettres. D'accord? Chaque lettre a un point d'articulation unique. Quelque part, c'est quelque chose qui pourrait s'entendre dans le sens où, effectivement, chaque lettre est unique. Mais dans la vie et dans le ilm et dans la vie, que ce soit dans le dunya, que ce soit dans l'akhira, il faut toujours être capable de classifier les choses. Parce que les gens qui prennent chaque chose à part comme ça, ils ne vont jamais s'en sortir. Ça, c'est dans tous les domaines, hein, ce que je dis.
Il faut savoir classifier. Parce que quand quelqu'un, tu vas lui dire, ah, mais vous, par exemple, je ne sais pas moi, bon, je reviens toujours sur le même sujet, hein, je fais une fixation, mais c'est un exemple. Si par exemple, on va dire, allez, on va dire, vous, les teblir, vous êtes comme ça. Si nous, en tant que teblir, on dit, ah non, 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 ce n'est pas vrai, ça, c'est un cas isolé. À chaque fois, tu vas dire, c'est un cas isolé, à chaque fois, tu vas dire, c'est un cas isolé, tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Obligé, en tant que teblir, vous avez des points communs par lesquels on peut vous juger. Et c'est pareil dans n'importe quel sujet. C'est-à-dire qu'il faut savoir classifier les choses. Parce que sinon, tu peux pas t'en sortir, en fait. Tu peux pas avancer. Et en sciences physiques, en mathématiques, on classifie, on fait des formules. Et après, bon, il y a des exceptions, ça, c'est autre chose. Mais il faut classifier les choses, d'accord? Et c'est ce qu'ils ont fait par rapport aux points d'articulation. Donc, bien sûr, il n'y a pas 29 points d'articulation différents. On classifie, ça veut dire qu'il y a des points d'articulation qui sont proches. Et tout ça, on va l'apprendre. Il y a des points d'articulation qui sont proches. Et c'est la raison pour laquelle on va comprendre beaucoup de choses à travers ça. Hein, vous savez, bon, je ne vais pas aller dans tous les sens, mais vous savez que entre les lettres, il y a des liens entre les lettres, ce qu'on appelle hidrames de fusion. D'accord? Si, par exemple, quand tu dis le mot ahaztu, si je ne me trompe pas, il n'y a que Hafs qui montre clairement le zel. Ahaztu. Tous les autres lecteurs, ils disent ahattu. Tout parce que le vel et le ta sont des lettres très proches, comme on va le voir. Vel, va et ta sont tellement proches que facilement, naturellement, on va les fusionner. D'accord? Je rappelle que le Coran, bah, c'est pas chacun qui lit en fonction de ce qui lui est facile. Quand on lit une version, on doit lire. Selon comment c'est récité. Mais il faut savoir que là, ce qu'on est en train de dire précisément, c'est lié à la langue arabe. C'est-à-dire que cette parole-là, c'est Sibawayh qui s'exprime. C'est un chapitre lié à la langue arabe. Et il y a la question qu'on pose, est-ce que le tajwid qu'on étudie, est-ce que c'est lié à la langue arabe ou alors c'est lié au tajwid? La réponse, c'est que c'est lié à la langue arabe. Je vous la fais court. Tout ce qu'on étudie dans le tajwid, c'est lié à la langue arabe, parce que le Coran était révélé en langue arabe. Donc, tous les hidrames et les irfa, etc., ben, c'est par rapport aux façons de parler qu'avaient les Arabes. Et c'est comme ça que le Coran a été révélé. Parce que tous les chapitres de tajwid, on le trouve dans le livre, dans le premier livre de grammaire qui a été écrit, qui est le livre de Sibawayh. Dans lequel il dit, parmi les Arabes, il y en a qui font le hidram du zel sur le ta, comme Akhattu. Parmi les Arabes, il y en a qui font le hidram du zel devant le djim. Izja, certains lecteurs disent Idjaahum. Pas Izjaahum, ils disent Idjaahum. Et plein d'exemples comme ça. D'accord? Donc, c'est parmi les Arabes. Et on retrouve ça dans les lectures coraniques. Parmi les Arabes, certains ils disent Moussi. C'est les Arabes, puis certains Arabes disent Moussa, certains Arabes disent Moussé, et ça se retrouve dans le Coran, etc. Non. Donc, ça, c'est l'avis. Il y en a qui disent qu'il y a 14 points d'articulation, d'autres qui disent qu'il y en a 15, d'autres qui disent qu'il y en a 16. D'accord? Mais l'avis qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a 17. Non. L'avis qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a 17. Et ces 17 points d'articulation, promis, les prochaines fois, je vous mettrai tout à l'écran, quoi, parce que je sais que c'est beaucoup plus facile à suivre comme ça. Promis. Peut-être au montage, je le ferai si j'ai le temps, Inch'Allah. Il y a 5 points d'articulation principaux. Raïsiyya. D'accord? Le premier, c'est ce qu'on appelle Jawf. C'est-à-dire, Jawf, donc, soyez concentrés sur les mots que j'emploie. Le Jawf, c'est comme ça qu'on appelle le ventre, d'accord? Le ventre en arabe, on appelle ça jawf. Mais jawf, plus précisément, ça veut dire quoi? Ça veut dire un espace, adjawf. Quelque chose de adjawf, c'est quelque chose qui a un vide, tu vois, où il y a un espace. Donc c'est ça. Et jawf, il s'agit de jawf al-fem, c'est-à-dire l'espace de vide, enfin l'espace de la bouche. Donc c'est ça.
Ça, c'est un point d'articulation. Et les lettres qui font partie de ce point d'articulation, c'est les lettres de Mad. Quand tu dis A, I, U, Ba, Bi, Bou. Donc, les lettres de Mad, comme vous le savez, je pense, c'est le fatha suivi du alif. Ba, kasra suivi du ya. Bi, dhamma suivi du waou. Bou. Je ne parle pas de la première lettre, hein. Du ba, du ta, du sa. Non, non. Ba, bi, bou. Sou, chou, fou, ou. Je ne parle pas de la première lettre. Je parle de la prolongation en elle-même. Non. Elle est. El Jawf, ça c'est le premier. Le deuxième point d'articulation, c'est la gorge. La gorge, c'est le deuxième point d'articulation. Et dedans, il y a. On a dit c'est un point d'articulation principal. Et à l'intérieur de ce point d'articulation principal, il y en a trois. Il y en a le bas, le milieu, le haut. Et en tout, il y a six lettres. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième point d'articulation principal. On a dit El Jawf, la bouche, en fait. La bouche, mais pas ni la langue, ni les dents, ni rien. C'est le vide de la bouche. D'accord? Deuxièmement, la gorge, ça fait deux. Le troisième, la langue. La langue. Évidemment, la langue, c'est l'endroit où il y a le plus de points d'articulation. D'accord? Parce qu'on parle avec la langue. En tant qu'être humain, on parle avec la langue. Mais Allah Azzawajal, c'est lui qui nous fait parler avec la langue. S'il veut, il fait parler nos mains. Ou s'il veut, il fait parler un stylo. Allah Azzawajal, c'est Allah Azzawajal qui nous fait parler. Non. Et encore une fois, parce que, comme on dit, toutes les sciences, il faut les relier entre elles, c'est très important. Peut-être que certains pensent que, peut-être certains, ça leur paraît désagréable qu'ils ont l'impression que je vais d'un sujet à un autre, mais toutes les sciences, si on ne fait pas le lien entre les sciences, c'est ça qui pose problème et c'est ça qui n'est pas profitable. Enfin, je vous le dis. Non. Allah, c'est lui qui nous fait parler. On parle avec une langue, avec des dents, le fait de parler, c'est. De l'air qui sort de nos poumons, donc qui passe par la gorge, et ensuite le son donc, qui passe avec la gorge, la langue, les dents, etc., les cordes vocales. Tout ça, c'est comme ça qu'on parle, nous, en tant qu'être humain. Mais en réalité, c'est Allah qui fait parler, comme il nous dit dans le Coran. Comme Allah dit dans le Coran, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Les gens qui ont désobéi, qu'Allah nous fasse qu'on ne soit pas parmi eux, leur peau va témoigner contre eux. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ils vont dire, mais hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu témoignes contre moi? T'es bête ou quoi? Toi-même, tu vas aller en enfer. Pourquoi vous témoignez contre moi? Et la main, elle va dire, ce n'est pas de ma faute. Qalou, c'est la main qui parle. Et la peau, Antakanallahu. C'est Allah qui nous fait parler. Ce n'est pas de notre faute. Alladhi antaqa kulla shay. Celui qui fait parler toutes choses. Wahuwa khalaqakum awwala marra. Ça t'étonne? T'es étonné? Une main qui parle, ça t'étonne? Alors que c'est Allah Azzawajal qui nous a créés de toute façon du néant. Vous voyez un petit peu? Donc ça, c'est important. Donc on ne va pas rentrer dans les. Parce que ça me revient par rapport au débat d'hier et parler de Kalem, parler et passer d'un sujet à un autre, etc. Bref. Mais nous, on parle, on voit bien qu'on parle avec des instruments. On ne peut pas parler sans la gorge. Voilà. Et bien entendu, voilà, donc on va appliquer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. De deux choses l'une. Soit on est intelligent et on suit les ulama qui étaient intelligents, qui avaient la lumière du aql et la lumière des textes et qui nous expliquent comment on doit comprendre ces choses-là. Soit. Chacun fait ce qu'il veut de toute façon. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, on a un menhaj qui est clair. Bref. Qu'est-ce que je disais? La langue. Ça fait trois. Quatrièmement, les lèvres. Les chafatayn. D'accord? Il y a le ba, il y a le mim, il y a le waou. Ça fait quatre. Et cinquièmement, c'est le al-khayshoum. Et le point d'articulation. Le khayshoum est le point d'articulation des runna. Soit quand tu fais un noun avec shadda, inna, ben ça se passe ici.
Et quand tu fais la runna, ça se passe ici. Alors, quand tu fais la runna, 50% ici et 50% qui sort de la bouche. Mais à la base, ça sort d'ici. Mais ça ne doit pas sortir à 100% d'ici. D'accord? C'est pas non, faut que ça sorte un peu. Non, on verra ça après. Okay? Donc ça, c'est les 5 points d'articulation principaux. Donc maintenant, on reprend un par un. Il dit l'il jawfi alifun wa urtaha wa hi hurufu maddin lil hawa itantahi. Donc on a dit la bouche, le vide de la bouche, l'il jawf. Donc les lettres qui sortent du jawf, du vide de la bouche, alifun, le alif, wa urtaha, et ses deux sœurs. Les deux sœurs du alif qui sont qui? Qui sont le ya et le waou. D'accord? Ça, c'est les lettres de Mad qui sont regroupées dans un mot du Coran, dans Sourate Hud, lorsque Allah a dit à Nuh alayhi salam, Tilka min amba il ghaibi nuhiha ilayk. Le mot nuhiha, que nous te révélons. Voici les informations de l'invisible que nous te révélons. Nuhiha ilayk. Donc ce mot-là regroupe toutes les lettres de Mad. Nous. Dhamma suivi d'un waou, hi, kasra suivi d'un ya, ha, fatha suivi d'un alif. Donc là, il y a toutes les maths. Toutes les maths. Je ne parle pas du nun, je ne parle pas du ha, et je ne parle pas du. Je parle pas du ha. Je parle de ce qu'il y a entre chaque lettre. Non. Lil jawfi alifun wa urtaha wa hi hurufu maddin lil hawa itantahi. Donc les lettres de Mad, il a explicité que il s'agit des lettres de Mad, ça s'appelle comme ça. Donc, chaque terminologie en fait, il faut la connaître précisément. Harfu Mad. Donc le alif, c'est une harf Mad. Ya, c'est harf Mad. Waou, harf Mad. Et ces lettres-là, elles sont spécifiques. Ces lettres-là sont spécifiques dans la langue arabe en règle générale. Ça s'appelle huruf al-illa. Huruf al-illa. Non, c'est les lettres qui n'ont pas vraiment de. En fait, qui n'ont pas de hayyiz, comme ils disent. Qui n'ont pas de hayyiz. Excusez-moi, en fait, j'ai des sujets d'Aqida qui me reviennent à chaque fois. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de hayyiz, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'endroit. C'est-à-dire que les lettres de Mad ici, qu'on a dit harf al-illa, elles n'ont pas d'endroit sur lequel elles s'appuient. Chaque lettre a un endroit. D'accord? Le qa, le aïn, toute lettre à un endroit. Soit la gorge, soit la langue, soit les lèvres. D'accord? La langue en fonction, soit avec les grosses dents, soit avec les canines, les lèvres, soit les lèvres d'en bas, d'en haut. Chaque lettre a un point d'articulation. Sauf que là, quand tu dis nous, je ne parle pas du nous. Nous, voilà. Tout ce que je dis, tout ce à partir du noun et quand je prolonge tout ça, nous, tout ça là, ça s'appuie sur quoi? Sur rien. Il n'y a pas de hayyiz. Donc il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit. Je vous fais juste, je vous le dis, hein, clairement. Il faut le savoir, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est presque obligatoire de le savoir. C'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, subhanahu wa ta'ala, il existe. Les choses qui existent, existent de deux sortes. Les mawjoudat, les choses existantes, tout en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont des choses qui existent. Allah a fait exister, mais ils ont tous un endroit. Chaque créature, créature physique, hein, je ne parle pas de la liberté, la science. La science, elle n'a pas d'endroit. D'accord? La liberté, le courage, la volonté. Non, je parle des choses physiques. Ils ont tous un endroit. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, existe, mais sans endroit. Tout simplement. Alors certains vont dire, ah, mais comment ça, sans endroit? Mais ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Il faut se calme-toi. Tu poses une simple question, mais j'ai posé la question au oustaz, mais il n'y a pas de réponse.
D'accord? Avant que Allah Azzawajal crée le ciel, avant que Allah Azzawajal crée le trône et avant que Allah crée toute chose. Si tu poses la question, normalement, tu n'as pas nécessairement besoin de poser la question. Mais si tu veux poser la question, si tu veux absolument savoir et que tu veux une réponse, ben, il n'y avait pas d'endroit, on est bien d'accord. Il n'y avait pas d'endroit, puisque Allah Azzawajal, avant qu'il crée n'importe quelle créature, il n'y avait pas d'endroit. Mais Allah Azzawajal était là. Et Allah Azzawajal est le premier sans commencement. Il n'y avait pas d'endroit. Donc, est-ce que bah, après qu'il ait créé des endroits, comme je sais pas moi, on est obligé de donner des exemples, est-ce que Allah il a besoin de se construire une maison pour habiter dedans, de se construire quelque chose pour s'installer dessus? Il n'a pas besoin. Avant qu'il y ait les créatures, il était là où il est. Et quand il n'y aura plus les créatures, il sera toujours là où il était avant de créer les créatures. Donc, il ne va pas se mettre sur ces créatures, ni au-dessus, ni en dessous, ni que ce soit. C'est tout simplement. Bon, bref. En tout cas, le Hawa, l'être de l'atomade, il n'y a pas de haïz, elle n'a pas d'endroit. Il dit, Hurufu Maddin, l'Hawa est entahi. L'Hawa est entahi. Donc ça se termine sur dans le vide. D'accord? Donc quand tu dis, surtout à la fin, Nuhiha, soyez concentrés à la fin, ha, il ne faut pas qu'il y ait, faut pas rajouter une lettre. Certains ils vont dire, Nuhiha. Non, il ne faut pas, parce que là, tu as rajouté un Hamza. On veut que ça se termine, l'île Hawa. Ça se termine dans le vide, en fait. Dans le Hawa, dans le vent, dans le vide. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Huruf Maddin, l'île Hawaï, Tantahi. Naam. Summa li aqsa al-halqi, Hamzun ha'u, wa min wasatihi, fa'aynun ha'u, adnahu, ghaynun kha'uha wal-qafu. Donc, le temps est terminé. Ça va suffire pour aujourd'hui. Promis, la semaine prochaine. Alors, soyez prêts, ceux qui sont présents, pour bien préparer déjà que les makharij et le huruf soient bien clairs dans vos têtes. La prochaine fois, on va enchaîner. On va expliquer toutes les makharij bien en détail, bien comme il faut. Donc, soyez prêts, inshallah ta'ala. Donc, ici, il parle des lettres de la gorge. Non. Aqsal-lisan, donc la gorge, il y a la gorge, il y a trois parties. Il y a Aqsal-halq, Wasat-al-halq et Adnal-halq. Donc le plus au fond, ce qui est à moitié et ce qui est plus proche de la langue en fait, en rapport avec la langue. Par rapport à la langue, le plus loin de la langue, donc c'est ce qui est plus bas ici. Au milieu, c'est au milieu. Et Adna, quand on dit Adna, ça veut dire le plus proche. Quand on dit Dunya, c'est le monde proche, le monde bas. Et Aqsa, c'est ce qui est éloigné. Comme Masjid al-Aqsa, la mosquée éloignée. Et Wasat, ça veut dire milieu, comme Wasatiyya, juste milieu. Thumma, li Aqsa al-Halq, donc le fond de la gorge, il y a deux lettres. Le Hamza et le Ha. Ha, ha. Hamza, A-I, U, et le Ha. Ha-hi-hu. Donc ça, c'est juste le genre de choses, il faut que je vous écoute pour voir s'il n'y a pas de problème pour prononcer les lettres. Souvent, le Hamza, ça c'est la lettre qui est que les Arabes voulaient toujours se débarrasser de cette lettre par tous les moyens, parce qu'elle est contraignante. A-I-O, d'accord? Surtout quand ça s'enchaîne. A-A, A-Antum. Hein? Dans d'autres lectures, le deuxième Hamza, on le police, on dit A-Antum, ou alors on le transforme en Alif. A-Antum. Ou alors on fait un itral, je rajoute un alif, je dis a entum. Non. Ou alors des fois on l'enlève même carrément. On l'enlève. Non. Wa min wasatihi fa'ainu ha'u. La moitié ici, le ayn et le ha. Adnahu ghaynun kha'uha. Et le plus proche de la langue, c'est le ghayn et le kha. Et juste pour terminer, une faïda, après on se connecte en privé si vous voulez. Parce qu'en plus, là, faut qu'on fasse le débrief là, du débat, là, parce que il fallait que je. Là, moi, je compte m'entraîner comme Bruce Lee, hein, je vous dis la vérité. Mais franchement, je croyais que j'étais un lion, mais je me suis trouvé quand même un petit chat, quand même. Tu vois. Je suis trop timide. Moi, je suis trop gentil, en fait. Voilà, quand je suis dans le. Il faut que je sois un peu plus méchant. Bref. Roin et Ro, c'est les plus proches de la langue. Ça. Ce qu'on fait, c'est le madhhab de Hafs.
Mais le mazhab de Abu Ja'far, la lecture que je vous ai proposée là, qui est sur la chaîne YouTube, c'est le cheikh de Nafi'a. Donc c'est pratiquement un tabi'in. Donc sa lecture, elle est beaucoup plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, sur le Rogn et sur le Kha, il fait l'Ikhfa. Sur le Rogn, devant le Rogn et devant le Kha, il fait une Runna. C'est le seul à faire ça. Pour montrer que des fois, les gens, quand ils n'ont pas assez de connaissances, si maintenant je fais une Runna devant le Rogn et devant le Kha, ils vont dire, t'as fait une erreur. Ce n'est pas comme ça le Tajwid. Oui, ce n'est pas comme ça le Tajwid selon Hafs, mais ça existe et c'est une lecture reconnue, authentique. D'accord? Donc tout ça pour dire que la connaissance, on l'acquérit toujours, tous les jours, un peu plus. Donc voilà les frères, je vais couper ici. Et promis, Inch'Allah, donc mardi prochain, on fait Makharij al-Huruf, on enchaîne tout. Et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la lumière et qui nous donne la baraka et qui nous protège de tout mal et qui nous guide vers le droit chemin. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, Allahumma, kayfa a'zimu wa anta tahir wa kayfa la a'zimu wa anta al-amir. Comment on va faire si Allah, comment on va faire pour obéir à Allah, puisque c'est Allah le contraignant, mais on est obligé d'obéir à Allah parce que Allah nous l'a ordonné. En même temps, on est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala à 100%, mais en même temps, Allah nous a donné la capacité d'obéir ou de désobéir, et cette capacité, on doit l'utiliser pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous vienne en aide contre nous-mêmes. Naam.